Bonjour à tous, des Jordan pour la pratique du football américain, du running et du lifestyle, c'est tout de suite dans le zapping de la basket. On commence sans attendre avec la Nike LeBron 11 Kings Pride qui est sortie le 12 octobre dernier. Composée d'une empeigne en armorposite et dynamique flyware, d'une semelle lunar long et 360 max zoom et une doublure camo et parsemée de touches de turquoise, de rouge et de doré, elle devrait ravir la hype comme les parquets. On continue avec mon coup de cœur de la semaine. Halloween approche et Reebok sera de la partie avec sa classique pump Omni-Lite Pumpkin attendue pour la fin du mois en quantité limitée. Pour être à fond dans l'ambiance, la paire est en mode orange contrasté avec des touches de glow in the dark en rappel aux yeux éclairés à la bougie des citrouilles creusées pour l'occasion. Cette semaine, New Balance nous a sorti la collection Blue Tab. Elle est composée de 3 paires, une 890, une 1400, une 1600. Bordeaux et bleu marine, les paires sont disponibles depuis le 11 octobre. On enchaîne avec le pack Hiker, collaboration de Vans et des Doran Brothers. Il comprend la Vans Half Cab et la Vans Authentique en 2 coloris. L'inspiration vient tout droit des vêtements destinés à la forêt et à la randonnée. Disponible au cours du mois d'octobre, c'est la parfaite alliance pour garder son style lors d'une petite promenade en forêt. Denis Busnitz nous a présenté la Adidas Busnitz Vulk qui complète les paires déjà sorties au mois de juillet. En daim rouge et semelle blanche, la paire reste classe et sobre pour les amoureux des tricks. Chez Adidas, c'est le créateur Jeremy Scott qui frappe encore une fois et s'est pas passé inaperçu. On est glorifié cette année d'une Wing Money imprimée de billets d'un dollar, une zébra tout en simili poil, une néon camo pour se cacher en soirée techno et une Wing Shack Red. Vous pensiez que les rééditions de Air Jordan étaient destinées à la pratique du basket ou pire, vous ne savez pas qui est Michael Jordan? Alors vous serez surpris d'apprendre que Jordan Brand collabore depuis de nombreuses années dans d'autres domaines sportifs. Et cette semaine ont été dévoilées la Jordan 12 Player Edition destinée à la pratique du football américain. Vous pouvez remarquer que cette paire est montée sur une semelle lunaron équipée de crampons. Une petite paire rien que pour nous mesdames, la Nike Air Vortex qui nous ravit d'un code couleur efficace. Du daim beige accompagné de tissu pourpre et de rouge framboise. Cette basket running est également parfaite pour des matinées brocantes ou de petites soirées entre amis accompagnées d'une robe. Chez Reebok, 2013 a été sous le signe de la Classic Laser et cette fois c'est avec Gary Warnett que la marque collabore pour un modèle tout en couleur. La paire est en cuir beige et tissu orange avec des touches de blanc et de rouge. Des imprimés en forme de flèche sont présents sur les côtés, l'avant et le dessous de la basket. On termine avec une chaussure running. La Air 1000 de chez Lecoq Sportif y est destinée et ne manque pas de performance dans ce domaine. Ce modèle des années 90 se pare d'un coloris teal pumpkin et n'a pas pris un ride. Si vous voulez continuer vos footings avec un maximum de style, c'est la paire qu'il vous faut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans une semaine. D'ici là, rejoignez-nous sur Twitter, sur nos pages Dailymotion et Facebook Parlez-vous Sneakers. Faites-vous plaisir, portez-vous bien et rockez vos kicks!